Bonsoir et bienvenue dans la Tout Essayé. Ce soir chez vous, Christine Bravo, Pierre Bénichou, il est arrivé, Christophe Alévèque, Perry Cochin, Jean-Bernard Rébé et Sophie Garel. Pierre Bénichou. Bonjour. Vous foutez le bordel, hein, vous n'étiez pas là pendant ce qu'on appelle chez nous le coming next. Ah si, la petite bande-annonce qu'il y a juste avant la pub. Si, mais je ne le ferai plus maintenant, j'ai décidé. Qu'est-ce que vous faisiez pendant les publicités? Oh, je bagnaudais. Mais j'ai tort, j'avoue. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais dans le quartier pendant les publicités? Je rappelle aux téléspectateurs que nous sommes en plein Pigalle. Pierre, je ne sais pas ce que vous faites. Quel papier vous cherchez dans votre documentation? Si c'est pour préparer l'émission d'aujourd'hui, c'est un peu tard. Non, mais j'ai tout préparé, justement. Je ne voudrais pas que tous mes efforts soient anéantis. Bah, parce que j'ai mis des fiches par là, mais je ne sais pas où elles sont. C'est qu'on a failli vous remplacer par Paul Vermus, parce que Paul Vermus va venir chroniquer... Paul Vermus? Ah non, ça c'est trop quand même. Ah si? Si, si. Non, pas par Paul Vermus. 5 minutes de plus et c'est Paul Vermus qui était assis à votre place. Eh ben, je comprends que vous m'ayez attendu. Il s'en sort toujours. Bon, ben, je crois, avec le retard qu'on a pris, qu'il est temps de passer à la revue de presse des dessins humoristiques de la semaine. Et on commence avec ce dessin de Jules dans Charlie Hebdo. Jules qui revient sur les sifflets dont a été victime Ségolène Royal lors du débat du Parti Socialiste au Zénith de Paris la semaine dernière. On la voit en statue, Ségolène, PS, le saccage. Et on voit Strauss-Kahn qui dit « c'est pas un saccage ». Fabius qui dit « non, c'est juste un démontage ». Le dessinateur Riss, dans le même journal, nous illustre, lui, les conséquences de ce débat du PS au Zénith. Sondage, Ségolène rejoint la France d'en bas. Ségolène sifflée, ça vous a fait de la peine, Christine? Ça ne m'a pas fait de la peine, ça m'a scandalisée. D'abord, j'ai le sentiment que le Parti Socialiste nous retient en otage. Moi, je m'en fous des politiques. Maintenant, il n'y a plus de politique à gauche, à droite. Ah bon? Il y a des hommes et des femmes. Et moi, je veux soutenir quelqu'un. Et non pas un parti. Voilà. Est-ce que c'est clair? Merci. Christophe? Eh ben moi, c'est exactement l'inverse. Moi, je veux soutenir un programme et la personne qui est derrière, à la limite, je m'en fous un peu. Ah bon? Tiens, mais c'est bizarre, parce que tu veux Fabius ou Strauss-Kahn, toi. Mais pourquoi je veux Fabius parce ou Strauss-Kahn? Parce que tu es anti-Ségo. Mais je ne suis pas anti-Ségo, mais enfin, on n'a plus le droit de siffler madame. Enfin, il y a d'autres hommes politiques qui se sont fait siffler pendant enfin, des débats. Enfin, au sein du parti, ça fait des ordres. Oui. Oh, c'est pas la première fois. Il y a eu des ambiances encore nettement plus chaleureuses que celle-là. Enfin, hein. Le congrès de Rennes, évidemment, au sein mais du oui. Parti Socialiste, on s'en souvient. S'il me permet de dire une chose, moi aussi, j'ai été très choqué par le fait que ces deux messieurs qui sont ses concurrents prennent un tel plaisir à l'avoir vu siffler. Oui. Moi, je déteste qu'on siffle une femme. Elle détesterait que je un dise peu ça. Dans la rue, peut-être. Non, elle détesterait que je dise ça, puisque elle se pose en candidate et non pas en femme. Mais une femme qu'on siffle, c'est pas possible. Et je trouve que c'est pas bien du tout. Cela dit, tout ce qu'on lui reproche, c'est de parler comme toi. C'est de dire, moi, je suis pas de la politique, je fais ce que veulent les gens et tout ça. Mais non, c'est pour gouverner la France. Mais c'est pas pour régner dans sa maison. C'est pour gouverner la France, madame. Et la France, madame, a besoin de politique. Il est voilà. Pire que les Il est autres. Pire que les autres. Allez, autre dessin. Toujours Jules dans Charlie Hebdo. Et là, on voit cette fois Ségolène Royal en train de justifier sa proposition d'installer des jurys populaires. Elle dit, si on établit les jurys populaires maoïstes, eh ben, dans 30 ans, on aura la croissance économique de la Chine. Le dessinateur Honoré dans Charlie Hebdo revient à lui sur le fait que le président Chirac refuse l'idée du Premier ministre de filmer le Conseil des ministres. Et on voit Villepin qui rétorque, il paraît que ça ressemblerait trop à une garde à vue. Direction la banlieue avec Charts dans Charlie Hebdo où, nous dit-il, la tension monte. On s'en était aperçu suite à ce drame du bus incendié à Marseille. Et là, on voit des CRS dans un bus et les CRS qui disent « pourvu qu'ils ne brûlent pas d'autres cars à nous ». Les bus incendiés ces dernières semaines ont aussi inspiré ce dessin à Jules. Toujours dans Charlie Hebdo, on voit les passagers de l'autobus qui chantent « plus vite chauffeur, plus vite chauffeur, plus vite ». Le dessinateur Jules, toujours dans ce même journal, s'interroge sur l'identité des incendiaires. Et là, on voit deux jeunes. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Il y en a un qui dit « Et si on allait schtroumpfer un bus ?»« Ça me schtroumpfe grave », répond l'autre.
Le dessinateur Jules, encore lui, toujours dans Charlie Hebdo, nous propose des nouveaux couloirs de bus pour la banlieue. Et on termine sur ce sujet avec le dessinateur Rançon dans le journal Le Parisien. Oh, vous êtes con, dit un jeune à un autre, de brûler des bus. C'est un peu à nous, les bus, quand même. Et l'autre lui répond, c'est à toi, les bus, mais tu payes jamais. Quittons ce sujet délicat, mais sur lequel les dessinateurs réussissent à faire rire quand même, avec la réforme maintenant de l'apprentissage de la lecture. C'est que Gilles de Robien, le ministre de l'Éducation, a cette marotte en ce moment, système global ou système syllabique. Regardez ce qu'en fait Cabu à travers ce dessin. On voit Chirac et Villepin. De Robien s'est construit par la méthode syllabique et Chirac qui nous montre un caddie où on voit le pauvre ministre complètement disloqué. Oui, il est pour la méthode syllabique, mais il a oublié de recoller les morceaux. D'ailleurs, dans le journal L'Humanité, Jules, encore lui, décidément très en verve cette semaine, nous explique la différence entre la méthode syllabique et la méthode globale. La méthode syllabique, c'est aïe, la méthode globale, c'est oui, 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 oui. Et le dessinateur Antonelli dans Marianne revient lui un instant sur le documentaire consacré à Jacques Chirac, diffusé la semaine dernière sur France 2. On voit trois juges sur un canapé qui regardent le documentaire sur Chirac et il y en a un qui dit « Bah, il n'y a pas une suite ?» Direction Cuba, où Fidel Castro est toujours convalescent, ce qui donne ce dessin de Willem dans Libération. Pile, socialismo face muerte. Jean-Bernard. Sur Cuba, je suis assez partagé. C'est vrai que tout le monde attend sa mort, mais pas pour les mêmes raisons. Il y a la moitié de la population qui attend sa mort pour être débarrassée de lui et de voir les Américains débarquer, et une autre partie pour dire on va nous enfin pouvoir prendre le pouvoir. Mais à la sortie, c'est vrai que c'est ce dessin qui résume parfaitement bien la situation. À la sortie, en tout cas pour l'image dans le monde, le socialisme à cette sauce-là, que ce soit pile ou face, il est mort. Mais non, mais c'est pas ça que ça veut dire. Vous savez que c'est la devise de Fidel Castro dans tous ses discours. Il finit par socialisme ou muerte. Ça veut dire ou le socialisme ou la mort. Oui. Et là, on le prend au mot. Bah, il faut d'abord savoir ça. Mots, quand t'as l'anticommunisme primaire, il quand même est un peu ridicule dans la mesure où ce qu'on voit en Colombie, ce qu'on voit ailleurs, c'est aussi horrible. Je ne dis pas que c'est bien, Cuba. Je dis que dans l'horreur de l'Amérique latine, je me demande si c'est ce qu'il y a de pire. Mais ça va pas, c'est non. Mais c'est épouvantable. C'est épouvantable. C'est un sujet à jamais abordé en société, Cuba et la corrida. Et on termine avec T-News dans Marianne qui nous avertit que les gens du voyage ne peuvent plus être rassurés. Et regardez pourquoi on dit ça aux gens du voyage. Bah oui, vous êtes trop souvent sur les routes. Oui. L'invité qui va nous rejoindre maintenant s'appelle Jean-Jacques Vanier. S'il vient chez nous ce soir, c'est parce que c'est un humoriste, un comédien qui reprend sur scène un spectacle qui a déjà cartonné. Attention, hein, son nom, Jean-Jacques Vanier, n'a aucun lien de parenté avec Nicolas Vanier, l'aventurier du Grand Nord, même si son spectacle s'appelle L'envol du pingouin. Depuis lundi dernier, il a repris ce spectacle au théâtre La Bruyère à Paris. L'envol du pingouin est écrit en collaboration avec François Rollin, qui signe d'ailleurs également la mise en scène de ce spectacle. Parlons-en tout de suite avec Jean-Jacques Vanier. Un comédien et un humoriste un peu à part, on va dire, dans le monde du one. Pourquoi vous dites bah oui? Ah oui, parce que c'est comme, tu sais, le dessinateur de Paris Match que tu me montres en me disant, alors vous comprenez Christine? Et non, je comprends jamais. Bah Vanier, c'est pareil, je comprends rien. C'est plutôt un compliment là qu'elle vous fait. Bah, oui. En fait, non, elle est assez proche de la vérité parce que depuis le début, je ne comprends rien. C'est quand même incroyable, vous êtes un peu, non? Qu'est-ce qu'elle a dit? Christophe Lévesque lui a vu votre spectacle et lui, il vous comprend, n'est-ce pas, Christophe? Ah oui, oui, mais moi, Jean-Jacques, je le comprends depuis très, très longtemps. Moi, j'étais un des premiers parce qu'on a ramé ensemble au départ. Moi, j'ai vu son peut-être dernier spectacle. Peut-être vous ramerez ensemble à l'arrivée. Ça te fait rire, ça? Regarde-moi ça, l'autre, tu sais, depuis qu'il fait de la télé, il est passé dans un autre monde. Jean-Jacques, parle avec moi, comme ça. Lui, il est déconnecté de la réalité, tu penses bien. Il sait plus quoi faire de son fric, enfin bref. Alors que c'est un petit gars qui vient du Havre, tu vois, et puis... Eh oui, mon vieux, hein? Heureusement, t'as gardé les joues. Alors...
Moi, Jean-Jacques, c'est vrai que si on ne rentre pas dans son univers, c'est un voyage intérieur. Il faut aller... Il nous emmène dans les méandres de son cerveau qui, c'est vrai, de temps en temps, sont un petit peu animés avec un certain décalage. Moi, de ces 10 dernières années, c'est, je pense, le meilleur seul en scène que j'ai vu au théâtre. Bon, je m'en vais, hein. Non, mais c'est vrai. Pour que les téléspectateurs comprennent, peut-être le mieux, et vous continuerez après, c'est de regarder un extrait de L'Envol du Pingouin. Vous êtes d'accord? C'est parti. Je cherche mon cochon d'Inde. Il s'est sauvé. Alors là, j'avais pas préparé ma phrase, mais bon, le cerveau est bien foutu. C'est exactement ce qu'il fallait dire. Il fallait être crédible. Il fallait dire un truc petit, qu'on a du mal à trouver, qui monte, et pour lequel on s'inquiète. Et alors là, t'as pas besoin de t'en occuper. Le cerveau, il s'en occupe à ta place. Il range tout ce qui est petit d'un côté, hop. Tout ce qui est pas petit, de l'autre côté. Qui monte, hop. Qui monte pas. Qu'on a du mal à trouver, hop. Qu'on n'a pas du mal à trouver. Pour lequel on s'inquiète, pour lequel on s'inquiète pas. Et au moment où t'en as besoin, clac, 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 très vite, le cerveau, il fait les connexions. Ça petit, qu'on a du mal à trouver, qui monte, pour lequel on s'inquiète, hop, un cochon d'Inde. Voilà, c'est du Jean-Jacques Vanier, pur jus. C'est... Moi, j'adore, évidemment, vous le savez bien. C'est simple, c'est pas du tout... Les gens ont souvent l'image de Jean-Jacques, parce que comme il est très, très peu médiatisé, d'un spectacle intellectuel. Mais franchement, c'est pas un spectacle intellectuel. Il suffit de se laisser aller et il nous embarque. Et il est en équilibre permanent et nous, on le suit sur la corde raide, comme ça, c'est magnifique, courez-y. Jean-Bernard Hébé, récupérez. Il faudrait peut-être un petit peu recadrer l'histoire, parce que Christophe dit « Oui, c'est formidable, c'est extraordinaire, vous adorez ça », et Christine dit qu'elle n'y comprend rien. Alors pour le public, quand même, il faudrait expliquer ce que c'est que L'Envol du Pingouin. Je vais vous faire un court résumé. C'est un pingouin, donc, il aimerait bien aller au bal ou simplement danser. Suite à la non-assistance à pingouins en difficulté, perpétrée par le président de la République lui-même, notre animal inadapté entreprend un abracadabrantesque voyage intérieur qui le mènera sur les paliers des étages supérieurs de son immeuble, à la recherche de l'improbable compréhension des voisins du dessus, lui qui n'habite qu'au troisième. Il met alors en lumière son irrépressible peur de l'obscurité et sa sympathie pour les hamsters, ou plutôt pour les cochons d'Inde. Puis, sur les plages du débarquement, il découvre comment le général de Gaulle, qu'est-ce qu'il vient foutre là, bon, et le général Eisenhower, avec la complicité du prof d'histoire géo, ont déterminé ses premières aventures amoureuses et retardé son épanouissement sexuel. L'obstination, puis la mort accidentelle et prématurée d'un papillon, lui révéleront le sens de la vie et lui ouvriront l'accès au sixième niveau, celui c'est où ça, l'homme clair. Danse. C'est clair. C'est limpide. Alors, questions. Je voudrais, dans la ligne droite... C'est moi qui l'ai écrit. Oui, non, mais c'est formidable, c'est formidable. Dans la ligne droite, est-ce que vraiment vous avez des érections devant un plat d'endives gratinées? Ah, mais ça, c'est une autre histoire. Si vous voulez que je vous la raconte... Racontez-nous ça. C'est une autre je histoire. Je sais les faire. Ça, c'est dans le spectacle, c'est dans l'autre spectacle, La Vie est belle. Je vais à l'enterrement de mon meilleur ami et... Hop, érection à l'entrée du cimetière. Et le mec, en fait, le plat d'endive lui sert à faire... Baisser l'érection. Évacuer l'érection, voilà. Mais ah, faudra que j'y pense. Vous êtes médium. Un jour, à la sortie d'un spectacle, il y a un spectateur et sa femme qui viennent me parler. Et il me dit, c'est marrant, cette histoire d'endive. Il dit, moi, quand je suis avec ma femme, pour retarder le moment, je pense à mes roues de 4L. Et la femme le regarde comme ça, lui dit, mais tu m'avais jamais dit ça. Voilà, c'est tout. Faut quand même dire. Parce que Jean-Jacques a été un complice pendant de longues années dans Rien à cirer, qu'au début des interventions de Jean-Jacques Vanier, je recevais du courrier, mais vous n'imaginez pas combien, qui me disaient, mais on ne comprend rien, qui sait, pourquoi. Et puis d'autres, évidemment, autant qui disaient, on adore, c'est formidable, et c'est devenu un des piliers incontournables de l'émission par la drôlerie et l'originalité de ses interventions. Mais donc, il ne faisait jamais un portrait de l'invité, il parlait de tout autre chose que de l'invité. Vous y avez eu le droit? Mais oui, je n'ai absolument pas compris son portrait. Non, mais ça parlait
parlez pas de vous, c'est normal. Il écrit remarquablement bien. Vous aviez bien, trouvé ça formidable, je m'en souviens. Vous étiez venu me dire à la fin, mais c'est formidable. Oui, parce et en fait, vous n'aviez rien compris. Rien, parce que vous écrivez tellement bien. Tu sais, ça me fait penser à Vialat, qui est un immense auteur. Sauf qu'on comprend rien, moi, ça me met le cervelet en sang. Perry Cochin est allé voir L'envol du pingouin au La Bruyère. Alors, moi, je voudrais vous remercier d'avoir fait toute cette petite introduction. Comme ça, ça justifie au moins le fait que je n'ai pas 1000% adhéré. En tout cas, je ne suis pas rentrée dans l'univers parce que je ne suis peut-être pas la mieux placée ici pour dire que l'humour, faut c'est dire que mon point rien fort. À l'humour en général, alors. Non, bah, il faut que ce soit un peu évident pour moi. Les enchaînements ne sont pas évidents. Mais si on s'attarde sur chaque sketch individuellement, là, il y a des choses très subtiles. Vous parlez, par exemple, des psys. À un moment, vous allez voir un psy pour lui demander conseil, etc. Et vous décrivez des situations chez le psy. Il y a deux attitudes chez le psy. Il y a celle-ci. Et puis sinon, il y a celle-là. Non, je ne les décris pas. J'ai besoin d'identifier deux personnages. Oui. J'ai besoin de les identifier rapidement. Donc, il y en a un qui est comme ça. Oui. Donc, quand je suis comme ça, on sait lequel c'est. Quand je suis comme ça, c'est l'autre. Voilà, c'est tout. Déjà, elle n'a pas compris ça. C'est vous dire qu'on part de loin. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses très subtiles comme ça. Il est certain que chez les psys, souvent, il y a ce type d'attitude. Le mec qui reste de plomb comme ça avant de prendre la parole, c'est ce que vous... Mais normalement, on ne le voit pas parce qu'il est derrière. Le psy ? Oui. Oui. Vous êtes si là, vous êtes il allongé. Est là, il est comme ça. Donc voilà, donc, j'avais besoin de ces deux personnages. J'avais besoin de montrer un mauvais psy, celui avec qui ça s'est mal passé pour le pingouin, et, celui, ouais. et l'autre, le bon, celui avec qui ça s'est bien passé. Oh, mais t'imagines ? Alors, t'as le pingouin qui écrit au président de la République. Régulièrement, on le voit s'asseoir, il écrit au président et lui dit « Écoutez, franchement, je cherche un endroit calme. Bon, de préférence, en France, si c'est possible. » Et alors après, il dit qu'il voudrait trouver une boulangerie calme, parce qu'il vient d'assister à un cauchemar dans une boulangerie de gens qui s'insultent dans une boulangerie. Il écrit une lettre au président de la République. Voilà. Entre-temps, il se passe une énorme aventure dans une pâtisserie, d'ailleurs. C'est ça. Pâtisserie. Pardon. Parce que la vendeuse essaye de lui mettre un gâteau pour 15 personnes dans une boîte pour un gâteau plus petit. Oui. Donc, ça se passe très mal. Donc il sort de la pâtisserie, comme il n'avait pas encore posté la lettre au président de la République, il fait un post-scriptum. Il lui dit, est-ce que, si c'est possible, en même temps, vous pourriez m'indiquer une pâtisserie paisible, voilà. Non mais, c'est que ça, c'est que des trucs invraisemblables. Mais il n'y en a pas. En fait, elle a adoré, mais elle n'ose pas le dire. Ne partez pas, Jean-Jacques Vanier, il y a une autre épreuve à subir après Perry Cochin, c'est l'épreuve Paul Vermus. Vous le connaissez ? Oui, oui, oui. Je le connais depuis longtemps, quand même. Quand j'arrive là, vous êtes toujours surpris quand je connais quelqu'un. Mais je connais autant de monde que vous, et je voudrais vous mettre tout de suite à l'aise, je connais même plus de monde que vous. J'ai un petit mot pour vous, mon cher Paul Vermus. Oui. Parce qu'on est obligé de faire un rectificatif suite... C'est Souchon. Eh oui, vous avez dit qu'Alain Souchon faisait partie de ceux qui soutenaient Ségolène Royal. Et Alain Souchon tient à nous faire savoir qu'une erreur s'est glissée dans le commentaire de Paul Vermus. Alain Souchon nous écrit pour nous dire « Je ne soutiens pas Ségolène Royal, je soutiens Laurent Voulzy. Merci d'en prendre bonne note. Amitié. » Voilà. Ouais. Encore une erreur! Non, je dis premièrement, l'erreur est humaine, et puis je dis deuxièmement, on en reparlera plus tard, hein, parce qu'en général, mes informations sont bonnes, mais puis c'est moi vraiment. Il persiste! Pourquoi voulez-vous que je dise ça comme ça? C'est que j'avais des informations. Maintenant, peut-être qu'on a voulu me manipuler, comme certains ici veulent me manipuler. Bon, donc, première plantade. Écoutez, je voudrais mettre les pendules à l'heure. Vous avez ici quelqu'un qui est très bien informé. Beaucoup mieux que certains ici autour de cette table. Alors, soyons clairs. Hein. Je rectifie une petite erreur que vous venez de... Une toute petite erreur. Ça arrive, vous savez, quand on fait beaucoup de choses... C'est énorme comme erreur. Alors, mais vous, ça va. Oh. Hein, c'est pas parce que vous avez fait le casino de Paris que vous vous prendre pour Joséphine Baquin ou Jim Renault. Hein. Ça, c'est vrai. Maintenant, il pue le fric, il est complètement déconnecté. Regarde-moi ça. Oh, c'est petit. Et en plus, vous êtes obligé de vous lever pour vous faire entendre. Hein. Vous aussi, vous êtes un nain. Suis-toi dans ta pochette, mon vieux. Vous n'êtes pas loin d'atteindre votre seuil d'incompétence, vous. Principe de Peter, vous ne connaissez pas. Il y a longtemps que tu l'as atteint, toi, Popol. Jean-Louis Borloo.
Alors, bon, Borloo, malgré tout ce qu'on peut dire, bah, il va peut-être faire une mauvaise farce à Françoise de Panafieux. Ah. Voilà. Il a des chances d'être candidat à Paris dans le 12e, et comme ça ne lui suffira pas, on dit qu'il pourrait très bien se présenter à la mairie de Paris, aidé d'ailleurs par Bernard Debré, qui le pousse, qui le manœuvre. Dans le 12e ou dans le 17e? Mais vous me cherchez aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je dis ça parce que j'ai l'impression que c'était à la mode de vous... De me contredire? Oui. Mais je vous aime bien, vous pouvez y aller. Et en fait, on me signale que c'est dans le 14e. Ah. Non, bah, non, mais c'est fini, oui. Tout ça est très politique, ce serait bien qu'on passe un peu au cinéma, alors allons du côté d'Hollywood. Vous savez, la politique, c'est important, hein. Bon, oui. Alors, les studios d'Hollywood... Des quoi? Est-ce que c'est du lourd et que ça va faire du bruit? Parce que j'aime bien, bon, quand ils commencent à rubriquer. Alors, je vais vous le dire, c'est du lourd. Voilà, les studios d'Hollywood ne manquent pas d'imagination. Et quand je vous annoncer cette information, vous n'allez pas me croire. Eh bien, faudra me croire. Le triste fait divers des jumeaux congelés. Hein. Bon, eh bien, ça va probablement devenir, par une petite compagnie indépendante, un film américain. Et alors, j'en sais un peu plus. Louis et Virginie Courgeot pourraient être interprétés. Écoutez ça, incroyable, écoutez ça, Benny. Ah, j'écoute ça, Tom Hanks. Monsieur, oui. Alors, Tom Hanks et Jodie Foster. Non. Eh oui, voilà. Moi, c'est des connes. Mais non, c'est pas des conneries. Et les frères Bogdanov dans le rôle des jumeaux, tant que vous êtes. Non, non, écoutez, vous êtes gentils, ne mettez pas en doute mes informations. Football, mesdames et messieurs, ne zappez pas. Car pour la première fois, Paul Vermus la dernière, d'ailleurs, va parler football. Et là, il y a intérêt à ce que ce soit du lourd, parce que je m'y connais en football, monsieur. Alors bon, il est vrai que je suis totalement ignare dans le domaine du football. Ah. Quand je dis ignare, le mot est un peu faible. Parfait. Il est temps aujourd'hui que je fasse mon autocritique dans ce domaine-là. En excellent journaliste que vous êtes, vous avez... Les portes de la FIFA me sont ouvertes, parce que je connais un certain nombre de grands patrons à la FIFA. Bon, alors bon. Le ballon d'or. Alors, voilà, le ballon... Alors, déjà, il y en a deux qu'on élimine, c'est Materazzi et Zidane. Pas question. Pas Materazzi, Materazzi. Materazzi, oui. Non, mais c'est pas vrai. Materazzi, c'est la voiture. C'est peut-être que j'aime... Bon, alors, j'ai quatre noms. Mais... Alors, Vira. Qui ça? Vira. Vieira, Vieira. Oui. Ouais. Bouffon. Vieira qui joue, Vieira. Ça, je vous laisse dire. Vous... Bah, je vous laisse dire. Mais, répondez. Et pourquoi tu amènes une info sur le foot? Pour l'amuser, pour l'amuser. Alors après, Vieira. Bouffon. Qui ça, bouffonne toi-même? Eh, on sera notre ton. Le troisième, Ronaldinho. Mais... Ronaldinho qui joue À Madrid. Barcelone. Barcelone. C'est pareil. C'est pareil, Madrid, Barcelone. Paris, Lyon, c'est pareil. C'est Ronaldinho, pas Ronaldinho. Bon, d'abord, il n'y a pas que le football dans la vie, alors soyez gentils, ça va. Et puis, hein, et puis, et puis. Et puis alors là, je vais vous donner la bonne réponse. Est-ce qu'il y a un Français au moins? Oui, ah. Thierry Henry. Et d'après les bookmakers, à 3 contre 1, c'est lui qui l'aura. Voilà. Thierry Henry qui joue? Mais écoutez, je suis pas à l'école, hein. Vous êtes gentil, mais c'est pas un examen de passage ici. Et Vieira, il n'était pas français, Vieira? Ah oui, c'est vrai, je l'ai oublié celui-là. Je l'ai fait exprès, ça vous amuse trop, vous adorez ça, vous êtes content là, bon. Bouffon. Bouffon même. Et en plus, c'est Bouffon qui va l'avoir, le ballon d'or, tu vas voir. Est-ce que je t'ai sonné, toi, le petit homme? Oh, alors ça va, hein. Toi, maintenant. Et O.J. Simpson, pour terminer. Ah oui, alors ça, c'est très intéressant. Alors, il a signé un contrat pour ses mémoires. Vous me direz, là, c'est d'une banalité effarante. Bon, il a touché 5 millions de dollars pour ses mémoires. Ouais. N'importe qui peut les toucher aux États-Unis dès qu'il en est un peu connu. Mais là où c'est très, très intéressant, c'est qu'il se confesse et qu'il confesse l'assassinat de sa femme en 1995 et qu'il y a prescription. Alors, c'est ça qui est étonnant. Il est sûr qu'il va... On se livre face comme des fils. Ça, c'est ça, il était temps, hein. Bah oui, bah, il faut attendre, hein. Alors, c'est presque une standing ovation, ça, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On le félicite, Jean-Jacques? Il faut le garder, il est bien. Il est super. Merci. Bah, voyez, hein. Eh bien, après, l'envol du pingouin, l'envol du Paul Vermus, mesdames et messieurs. L'envol du pingouin, c'est au théâtre La Bruyère à Paris. À quelle heure, Jean-Jacques Vanier? À 21h. Tous les soirs? Du mardi au samedi. Voilà. Il y a une matinée aussi. Je ne sais pas à quelle heure. T'es sur la liste, vraiment. Voilà. Mais c'est écrit, c'est écrit. Pour ceux qui aiment Jean-Jacques Vanier, il y en a beaucoup, et qui ignoraient qu'il était de retour sur scène, eh bien c'est au théâtre La Bruyère dans L'envol du pingouin. Merci à vous. Merci.
Accueillons maintenant Éric Emmanuel Schmitt, l'auteur contemporain français le plus lu dans le monde. On lui doit de nombreuses pièces de théâtre, Variations énigmatiques, Le Libertin, L'Hôtel des deux mondes, mais aussi des romans, La part de l'autre, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Oscar et la Dame Rose, qui a donné aussi une pièce. Ce soir, Éric Emmanuel Schmitt, un des écrivains, un des auteurs les plus prolixes du moment, vient nous présenter Odette Tout le monde et autres histoires, un recueil de 8 récits parus chez Albin Michel. Avant de laisser la parole à Sophie Garel, qui a lu cet ouvrage pour nous, accueillons donc tout de suite Éric Emmanuel Schmitt. Bonsoir, bienvenue. Alors ça n'a pas donné une pièce de théâtre, ça a donné un film, cette histoire-là, ou c'est le contraire? C'était un film qui donne... C'est le contraire. Alors voilà. J'avais écrit un film qui s'appelait Odette Tout le monde. On m'a fait signer un contrat qui me disait qu'il fallait que je fasse aucun sport violent, donc pas de ski. Et au moment de signer le contrat, on m'a dit surtout, tu n'écris pas, tu n'auras pas le temps. Et ça, c'était me provoquer. Donc sur le film, dès que j'avais un moment, à la cantine, dans les chambres d'hôtel, je m'isolais et j'écrivais ces histoires que j'avais dans la tête depuis longtemps. Sophie, alors? Il y a effectivement 8 histoires. Moi, je ne suis pas une fan des nouvelles parce que je suis en général toujours un peu frustrée. Quand la nouvelle est bonne, j'ai envie qu'on me donne encore une petite lichette. Vous aimez un vrai roman. Mais voilà. Mais là, et en plus, là, dans ce cas de figure, c'est vrai que j'ai été souvent frustrée parce que les 8 histoires sont vraiment intéressantes. Chacune est un sujet de film, un scénario, ou pratiquement. Alors, on passe de la milliardaire futile à la femme qui est en train de mourir d'Alzheimer, à la jeune femme qui vit à côté de son mari, qui lui a menti pendant 20 ans. Enfin, tous les cas de figure sont abordés et des sujets souvent très profonds et très émouvants. Enfin, j'ai retenu une histoire qui est tellement banale et qui est en même temps tellement bien jouée. Je dis jouée parce qu'effectivement, on la voit sur scène. C'est l'histoire d'une fille qui est secrétaire, une petite secrétaire normale, enfin bon, sans histoire. Elle tombe amoureuse de son patron, encore un cas classique. Il est marié, bien évidemment, il lui promet monts et merveilles, il la tient comme ça. Pendant 25 ans, il lui raconte des salades et elle y croit et elle y croit et elle a donc gâché sa vie comme beaucoup de ces jeunes femmes. Et à un moment donné, il prend sa retraite, papiche, et il dit « je vais partir avec ma femme ». Mais la pauvre chérie, elle est totalement démunie, elle se retrouve seule, malheureuse. En plus, il y a le nouveau patron, la vire, parce qu'il y a un problème de personnel au sein de sa boîte. Elle se retrouve au chômage. Après le chômage, c'est sa retraite. Alors, elle ne sait plus quoi faire. Elle vend les bijoux que le patron lui avait offerts. Et il se trouve qu'ils étaient tous faux. Donc, elle s'aperçoit que cet amour-là était toc comme les bijoux qu'il lui a offerts. Il lui avait offert aussi un Picasso. Et alors, elle, à un moment donné, elle est tellement dans le désarroi, elle l'appelle pour lui dire « Est-ce que je peux vendre ce Picasso ?» Il lui dit « Mais bien sûr, je te l'avais offert justement, comme ça, en garantie pour que tu aies quelque chose dans la vie. » Elle va voir un expert, l'expert lui dit « Le Picasso est faux. » Elle ne sait plus quoi faire, elle loue sa chambre de bonne à une petite japonaise. La petite japonaise tombe amoureuse de cette femme qui est seule, déshéritée, malheureuse, mal dans sa peau. Elle tombe malade, la pauvre femme, cancer généralisé. La petite japonaise l'entoure, voilà, va à l'hôpital, l'embrasse, la soigne, apporte des bonbons, la gâte. Et elle est tellement embêtée de voir cette petite japonaise tellement intéressée par sa personne, personne s'était intéressé comme ça, qu'elle lui lègue le Picasso officiellement. Elle lui lègue le Picasso tout en sachant qu'il est faux, donc elle est un petit peu mal à l'aise. Et la petite japonaise, elle termine ses études à Paris, elle repart au Japon et elle a un vrai Picasso. Et donc, elle crée une usine de cosmétiques. Elle est une des plus grandes fortunes du Japon. Elle crée des œuvres caritatives pour les gens souffrants. Et c'est une histoire qui se retourne sans arrêt. Et toutes les histoires se retournent un peu comme ça dans ce livre. C'est formidable et on en veut encore. Moi, j'en redemande toujours un petit peu plus. Parfait. Donc, ça vous a plu. Christine, bravo. Alors... le faux dont tu as parlé, c'est effectivement le titre d'une nouvelle. Il y a une nouvelle très similaire de Guy de Maupassant qui s'appelle La parure. Oui, La parure. Et en fait, ce sont des nouvelles absolument exaspérantes parce que ça se termine et on se dit « Ah merde, nom d'un chien !» Exactement comme on fait avec les nouvelles de Maupassant. Alors, qu'est-ce qui m'a vraiment plu terriblement dans ce livre, c'est d'avoir retrouvé quelque chose de Guy de Maupassant que malheureusement j'ai lu intégralement, donc je suis très frustrée puisque il n'y a plus rien puisqu'il est mort évidemment et que chaque 1er novembre je suis la seule à mettre une rose sur sa tombe et j'y suis allée donc hier en pensant à vous, cher Éric Emmanuel Schmitt. Écoutez, je vous félicite. Est-ce qu'on vous a déjà parlé de Maupassant, par exemple, si vous l'avez lu au Champ, par exemple, la nouvelle au Champ, hein, pas au Champ le supermarché. Non, mais je dis ça à lui parce que lui, je le vois avec son... Non. Pauvre conne.
Oui, oui. Alors, lui représente la fameuse histoire qui a une barbe comme ça, mais on va quand même la dire à l'évêque, c'est est-ce que vous avez du guide Maupassant? Non, bah donnez-moi du guide Michelin, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est lui à l'évêque. Alors, vous faites un duo. Alors, dites, répondez-moi, parce que est-ce que vous n'avez pas... Vous l'avez lu, forcément. Moi, bien sûr, j'ai lu plusieurs fois Maupassant, c'est une de mes passions, je trouve que c'est le maître de la nouvelle. Et l'autre maître, pour moi, c'est Stefan Zweig, à cause des destins. Raconter tout un destin en 25 pages. Pierre Bénichoux. Comment il est possible d'exploser comme vous l'avez fait en si peu de temps à Paris? Vous tombez amoureux de Jean Marais quand vous êtes petit, et puis tout d'un coup, vous dites Jean Marais, et vous voyez Delon, vous lui donnez votre pièce... Et c'est un succès mondial, cette pièce. Variations énigmatiques. Alors, je vous demande, comment on fait pour faire ça? Parce qu'on est plusieurs à vouloir. C'est pas en marchant sur les autres, mais c'est, je crois, parce que ça résume la tension qu'il y a dans ma propre vie. C'est-à-dire que, moi, j'ai eu la chance de faire des études, prof de philo, agrégé de philo, docteur, tout ça. Et les études m'ont amené dans un certain milieu, dans un certain niveau. Et en même temps, je viens d'une famille de petits artisans. Quand j'écris une histoire, j'ai en fait toujours la volonté d'écrire pour mes amis qui sont des intellectuels. Et en même temps, elles sont mortes maintenant, je voulais que mes grands-mères me comprennent. Donc j'écris toujours des histoires qui peuvent être lues au premier degré. Et donc cette espèce de tension intérieure que j'ai, c'est ce qui m'a empêché d'être un intello-intello et peut-être de devenir un intello populaire. Mais parce que c'est mon histoire. Je ne peux pas trahir ni le milieu dans lequel je suis arrivé, ni le milieu d'où je viens. Perry Cochin. Alors moi, je suis fan... Total. Je crois que j'ai vu toutes vos... Enfin, je vais dire toutes, mais j'en ai peut-être loupé une, mais sinon, je suis vraiment... Lui aussi, il en a loupé une ou deux. C'est la fameuse phrase. Je suis pas d'accord, justement. Je trouve qu'il en a pas loupé souvent par rapport à la quantité, la productivité. Donc, je me suis plus intéressée, parce que je connaissais votre travail, un petit peu à votre vie personnelle. Et c'est truffé de contradictions. C'est un peu bizarre. Alors, vous avez l'air d'un mec hyper costaud, fort et tout ça. Oui, en même temps, vous avez peur du noir. Vous l'avouez, vous le dites très simplement, peur du noir. J'ai peur de tas de choses. C'est peut-être comme ça que je me sens... Je suis proche de tout le monde. Vous avez plus peur du noir que de la page blanche? J'ai peur que de choses stupides. J'ai pas peur de choses importantes. D'accord. J'ai pas peur, par exemple, j'ai pas peur de la mort, ce qui paraît hallucinant. Et j'ai peur de choses beaucoup plus niaises, stupides et accidentelles, par exemple. Encore, Perry. Alors, autre chose, par exemple... Votre entourage vous a interdit de passer votre permis de conduire. Ah oui, ça c'est... Parce que vous êtes étourdi, pas parce que vous voyez pas bien ou une raison médicale. Le côté très étourdi, je le trouve en contradiction avec votre performance d'écriture qui est très structurée. Je suis étourdi ou je suis trop concentré sur ce que j'écris. En fait, je suis tout le temps en train d'imaginer. Et donc, quand je m'assois dans une voiture, je commence à rêver. Donc, ne me donnez pas le volant. Jean-Bernard Hébé. Vous avez un père kiné, vous avez une mère sprinteuse, donc des sportifs, et vous dites que... En réaction à ça, vous êtes devenu un loukoum de canapé. C'est-à-dire que vous avez complètement refusé le sport. Vous avez eu un vrai problème avec vos parents et vous l'avez résolu aujourd'hui? Non, ça s'est résolu. C'était l'adolescence. Mon adolescence, je me suis posé en m'opposant, comme beaucoup d'adolescents. Et tous mes copains m'enviaient mes parents, parce que mes parents voulaient toujours faire du ski, de l'escalade, de la montagne, partir à la mer, faire de la voile. Et moi, tout ce que je voulais, c'était rester dans ma chambre et lire. Et donc, mais ça s'est résolu quand à 20 ans, je me suis rendu compte que l'amour du théâtre, l'amour du cinéma et surtout l'amour des livres, je l'avais hérité de mes parents aussi. Parce qu'ils avaient beau être des sportifs, parce que... Vous avez transmis faut sortir des clichés sur les sportifs. C'était des gens qui m'ont emmené partout, à l'opéra, au ballet, qui lisaient. Christophe, à l'évêque. Qu'est-ce que vous pensez? Je suis un intellectuel populaire. Mais un intellectuel populaire, c'est un intellectuel que les gens comprennent ou un intellectuel qui vend plus de livres que les autres? D'abord... Ça vient du fait qu'on a du succès, qu'on est populaire. Ça ne veut dire que ça. Être populaire, c'est-à-dire avoir du succès, c'est provisoire, c'est fragile. Et en plus, ça fait qu'on pense que vous le faites exprès. Et c'est ça souvent le malentendu des gens qui sont populaires, c'est qu'on croit qu'ils sont l'auteur de leur succès, alors que je suis l'auteur de mes livres, je ne suis pas l'auteur de mes succès. C'est le public qui est l'auteur du succès, quand il y en a. La semaine prochaine, enfin, le 8 novembre, pour être très précis, vous signerez, ça me fait rire parce qu'on me met, il sera en dédicace dans un grand magasin sur les Champs-Élysées le 8 novembre à 17h30. Autant vous dire, ne le cherchez pas chez Decathlon. Hein. Pas de marre. Le 8 novembre à 17h30, dans un grand magasin des Champs-Élysées, peut-être chez Louis Vuitton, peut-être au Fouquet's, on peut pas vous dire, hein.
Éric Emmanuel Schmitt, Odette, tout le monde et autres histoires, c'est chez Albin Michel. Merci à vous. Merci. C'est la première fois qu'il vient sur notre plateau, c'est vous dire si nous sommes ravis de l'accueillir. Son nom, vous allez tout de suite le deviner quand je vais vous donner par exemple les titres de ses chansons et de ses plus grands succès. Évidemment, le Boogie Woogie, le Papadi, Cimetière des éléphants, Couleur Mantalo, Rio Grande sur la route de Memphis. Il y a toujours un coin qui me rappelle. Il ne rentre pas ce soir, je ne vais pas vous donner la liste énorme de tous ses tubes. C'est le crooner et le rocker préféré des Français. Dans un instant, Eddy Mitchell va nous rejoindre sur ce plateau pour la sortie de son nouvel album, Jambalaya, un album aux couleurs de la Louisiane. Il partira en tournée en mars prochain. Voici Monsieur Eddy Mitchell. Il y a des vrais fans d'Eddy Mitchell. Et ça, je le sais depuis longtemps. Je vais vous confesser quelque chose, monsieur Eddy, puisque je sais qu'on peut vous appeler monsieur Eddy. Pendant un moment, je ne vous supportais pas ou plus pour une seule et unique raison, c'est que j'ai un beau-frère qui vous adore. Mais vous, d'ailleurs, je vais être obligé de vous demander de dédicacer ce disque parce qu'il collectionne tout d'Eddy Mitchell. On va chez lui, on a entendu Eddy Mitchell. Il y a des photos d'Eddy Mitchell partout. Il a déjà ses places pour le mois de mars prochain à Paris. Il avait même collé, parce qu'il va même sur Internet chercher les trucs collecteurs. Il y a un magazine, lui, paraît-il, où vous étiez interviewé, je sais pas quoi. Sa femme était tombée par hasard sur le truc dans un placard. Elle se dit, quoi, mon mari qui regarde lui? C'est donc ma sœur. Elle a acheté le truc à la poubelle. Il en était malade quand il a vu que le lui avec Eddy Mitchell n'était plus là. Donc il a recommandé le truc. Vous devez beaucoup à la famille. Parce que ça coûte beaucoup d'argent, tout ça. Non, mais je vous jure, c'est vrai. Merci. En plus. Hein. Il s'appelle Gérard, vous lui dédicacerez un pour Gérard. Maintenant. Mais il y a des fous d'Eddy Mitchell. Et donc, parce que j'ai aucune mémoire, si j'ai pas le prompteur... Pour Gérard, vous mettrez... Voilà. Pour Gérard Le Beauf, vous mettez... Oh non, c'est pas vrai. Voilà. Ça marche pas. Bon, voilà. on va vous donner un bon stylo, un super marqueur d'ici à tout à l'heure. C'est même... Allez, j'y vais, je vais jusqu'au bout. Et il a même trouvé dans un truc à la brocante une statuette d'Eddy Mitchell qui vous représente, qu'il avait mis sur le buffet du salon. Et là, il y a des petits-enfants qui sont venus et ils ont dit « C'est qui le vilain monsieur qui était sur le buffet ?» Donc finalement, maintenant, c'est dans le bureau. Puis moi, voilà, évidemment, maintenant, je suis sur Paris, ils sont restés au Havre, je les vois un peu moins, donc je commence maintenant à pouvoir réécouter du Eddy Mitchell en toute tranquillité, en toute sérénité, ça va mieux, je supporte mieux l'affaire, et c'est vrai que cet album est très, très réussi, on entend beaucoup d'extraits déjà en radio. C'est pas le premier titre qu'on entend, mais j'ai entendu, il y a peu de temps, la reprise, elle est terrible, vous, Johnny et Little Richard, ça c'est formidable. C'est surtout un moment de bonheur pour Johnny et moi, parce qu'on était comme deux mômes, quoi. Parce que quand on avait... Enfin, c'est Johnny qui a fait la réflexion en disant, tu te rends compte, quand on avait... T'avais 15 ans, donc j'étais le grand, et lui, il en avait 14. Il me dit, si un jour on nous avait dit qu'on allait chanter avec Little Richard... Non. Mais en quoi il est plus rocker que vous deux? C'est la voix la plus magique, je veux dire, du rock'n'roll. Et puis, où c'est complètement toujours fou que... je veux dire, Johnny, bon, qui est... plus, je veux dire, people, bien sûr, que moi, c'est évident. Mais et Johnny n'est pas toujours en représentation, alors que Little Richard est toujours en représentation. Il était maquillé, paraît-il, quand il est arrivé. Absolument. La limousine, les gardes du corps, l'attaché de presse, etc., pour venir chanter avec la perruque, avec les chaussures en diamant, normal, quoi. Et il s'est bien amusé, mais en même temps, il est en représentation. Et pourquoi pas? Chose qu'on ne fait pas, je veux qu'on ne sait pas faire. On est en studio, on n'est pas rasé, on a les cheveux de travers, bon, on est en train de chanter, on ne va pas à chaque fois qu'on enlève le casque se faire un brushing. Oui, oui. L'extrait dont on parle, la chanson, c'est « Elle est terrible », mais il y a aussi la chanson la plus diffusée en ce moment sur toutes les radios, la chanson d'Eddy Mitchell la plus diffusée, c'est « Ma nouvelle Orléans ». On regarde un extrait du clip. Ok. Les plantations en Louisiane sentent moins bon. Mais le créole n'oublie pas que fêter le Mardi Gras. La jeune, ça sera mieux demain.
leurs horribles enfants. Dieu semble t'avoir blessé, oublié et dédaigné. Je parle du dieu argent, du dollar trébuchant, des promesses du Texan, menteur mais pourtant président. Ma nouvelle arrière. Pendant le clip, Eddie Mitchell a fait la dédicace pour mon beau-frère Gérard. Jean-Bernard Hébé, peut-être celui qui vous connaît le mieux sur ce plateau. Alors, je vais lui donner la parole en premier, Jean-Bernard. C'est un jeune garçon, il m'a connu enfant, mais il est très jeune quand même. Oui, oui, enfin bon, on ne va pas revenir sur nos vieilles amours. Je sais que tu as rencontré Paul Naref à Los Angeles et que tu l'as vu presque tous les soirs. Non, mais on le voyait avec Johnny, puisque le studio où Johnny répétait son spectacle était très proche de celui où j'enregistrais. Et on se retrouvait le soir, on dînait, et ensuite on rentrait à l'hôtel. Bon, et à l'hôtel, qui nous attendait, Paul Naref, Michel, qui était là, qui buvait un verre avec nous. Mais il est, il va même... J'adore, je suis fan absolu de lui, je rêve que de ça, de le revoir. Tiens, on va faire sa promo, puisqu'on est là. vous irez voir, vous, à Bercy. Bien entendu, Paul Naref, bien sûr. Évidemment. Non, mais il est en pleine forme. Pleine forme, Royal au bar, tout va bien. Vous, c'est au Palais des Sports, du 6 au 17 mars. Pierre Bénichoux, un mot sur Eddie Mitchell. C'est le seul chanteur, des seuls chanteurs, qui est soit un chanteur de musical, soit un chanteur avec des grands spectacles, avec des machins, et qui écrive tous ses textes. C'est un vrai poète. Il a écrit des chansons qui sont absolument formidables. Je ne me regarde pas comme ça. Je le dis parce que je le crois et que personne... Ne le dis assez, cette chose-là. À part la fille Montalot, qui n'est pas de toi. C'est magnifique. Ah, bah si, justement. Bah si. C'est toi qui l'as écrit. Oui, je suis désolé. Non. Mais si. Bah alors, je quitte le métier. Il ne croyait pas une Montalot, il ne pensait pas que ça pouvait être de vous. Perry Cochat. Tu parlais de Montalot, mais qu'est-ce qu'on a pu s'embrasser et rouler des pelles sur Montalot? Mon mari et moi, j'entends. Ah bon, non, pas toi, pas toi. Parce que vous en avisez pas en public. Ah non, mais tout. Enfin bon, j'adore. Et... Vous aussi, Christine? Avec son mari, oui. Oh, mais pas sur Montalot, quand même. Pas non, la même chanson. Il y a toujours un point qui me rappelle. Ah bon, d'accord. Elle est dégueulasse, cette bonne femme. Alors, non, ce que je voulais dire, c'est que, franchement... Avec Sophie, c'est sur Société Anonyme. Le cimetière des éléphants, plutôt. Oh. Bon, alors... Non, pas le mari de Perry, avant votre prière du soir. Alors... Bon, un vrai vieux de la vieille, vous. Parce que je trouve, mais au sens propre et au sens figuré. Oui, quand j'étais enfant, je crois que c'était un des tout premiers concerts où ma mère nous avait emmenés. C'était le vôtre et c'était au Palais des Sports, je crois. Et vous étiez sur scène, évidemment, transpirant, enfin, vous faisiez le show... Et les gens hystériques devant vous se jeter sur la scène. Et à un moment, vous sortez un peigne, vous vous coiffez, et là, vous le jetez au public. Oui, et je me dis, c'est pas possible. Si c'est plein de pellicules, c'est horrible pour eux. Oh. Et les gens se précipitent. Ça vaut cher, ces pellicules, t'es dingue. Mais voilà, c'est ça. Est-ce que vous continuez à faire ce genre? J'en ai quelques-unes ici que je vous montrerai d'ailleurs tout à l'heure. Vous savez, non, ça, c'est un vieux gag. C'est un vieux gag, Johnny l'a également fait. Oui. C'est un vieux gag, c'était une référence à Jerry Lee Lewis qui faisait ça. D'accord. Donc c'était pour rire, tiens, on fait un truc rock'n'roll, Jacques, Jerry Lee Lewis, merci. Dick Rivers jette sa moumoute, il paraît. Ah, je sais pas. On parle de l'album dans un instant avec Sophie Christine, mais vous êtes, on va dire, co-responsable de cette collection Best of, avec mon fils, Best of Western, voilà votre fiston qui travaille là-dessus aussi, Best of Western et Best of Classics. Là, par exemple, on a Il était une fois dans l'Ouest qui ressort en édition collector. Oh là c'est là un peu la dernière séance façon DVD. Exact. On va dire ça. Ouais. Et puis un film, alors là, plus personnel, puisque vous êtes à l'affiche avec Sagamore Stevenin d'Un printemps à Paris, qui était sorti il y a quelques mois maintenant et qui sort en DVD. C'est un film qui vous tient à cœur, ça aussi. Oui, puisque je l'ai coproduit. Bon, c'est un film, disons... intime, je parle, bon, c'est un polar à l'ancienne, c'est un film que j'ai éprouvé beaucoup de plaisir à le faire, bon, qui a eu
un succès, disons, moyen, bon, mais qui a un public, et c'est intéressant. Mais à voir en DVD, ouais. Réalisé par Jacques Brahl. Allez, on revient à Eddie Mitchell et Jambalaya. Sophie Garel, qui n'a rien dit encore. Bah, moi, évidemment, je le connais depuis toujours, Eddie Mitchell. Pour moi, c'est le rocker. C'était notre king à la française, Eddie Mitchell. Mais ce que j'adore, c'est déjà la musique de sa voix. Quand il parle, quand tu parles, c'est déjà de la musique. Du reste, quand, dans son disque, il termine par la recette du Jambalaya. Ouais. Donc, il a dit en parlant. Et bah, c'est toujours pareil, c'est... Il y a toujours... C'est... On a l'impression que sa recette... Quelle imitatrice Ah bah oui. Et puis sa voix, en plus, devient de plus en plus grave avec le temps. Je sais pas si c'est le cigare ou l'âge, mais cette voix est de plus en plus virile. Ah bon? Pour moi, je trouve que c'est une voix qui vient du ventre. Et c'est pour moi, c'est de là qu'il faut partir. Christophe, allez, mettre. Eh ben, moi, j'aurais pu être ton beau-frère. Hein. Ah oui. Enfin, j'aurais pu être ton beau-frère, comme ça, je t'aurais reconnecté avec la réalité. Il aurait fallu encore que ma sœur veille bien de vous. Oh, ben, aucune fille ne me résiste. C'est une fille de goût, paraît-il. Oui. Tu connais pas ma sœur. Oui, tu connais pas ma femme. Alors... non, Eddie Mitchell, moi, nous, c'est j'aurais bien aimé que vous soyez mon beau-frère. Ah ouais, ça aurait été drôle, ça, les réunions de famille et tout. Le dimanche et tout, ça. Ouais, on aurait écouté Eddie Mitchell. T'aurais été dans la cuisine. Et nous, c'est dans la famille. C'est on a tous les disques d'Eddie Mitchell. On est fan de... Mais moi, c'est un excellent comédien. Il fait une carrière absolument fabuleuse. Et puis, il y a un mec qui aime bien le poker, un mec qui aime bien le bon vin, un mec qui aime bien la bonne bouffe, qui est de mauvaise foi quand même assez souvent, évidente, etc. Évidente. Et bien, pour moi, c'est un gars bien. Mais pas partir sans rien de cette émission, non, car je vais repartir avec un de ces trois disques. Il faudra choisir un des trois. Ah, pas tout de suite. Écoutez d'abord les conseils du vieux, du doyen, de Jean-Bernard Hébé. Et Jean-Bernard, on commence par Robbie Williams. Alors, ça y est, le vilain garnement de la pop anglaise a encore frappé. Il y a de tout, il y a beaucoup d'électro, il y a beaucoup de chansons absolument sublimes. Il y a une chanson qui s'appelle Madonna, je ne sais pas si c'est sûr, Madonna. Il y a une chanson sur les Pet Shop Boys où il y a des mélodies très... Il y a très, même du Manu Chao. Oui, il y a des mélodies très infectieuses, des choses qui on écoute. Infectieuse. Oui, mélodies absolument. Infectieuses. Ah, absolument. C'est du grand Hébé. Je pensais pas que tu allais comprendre tout de suite. Mais bon. C'est formidable. Alors bon, il est branché sur le 220. Je pense que ce sera un très bon album, mais moins facile à entendre que les précédents. Moins grand public. Rootbox. What's on my mind, it's only one thing you will find. I got one design and that's to bump it till you drop. Roofbox, to the roofbox. Cause you so nasty. Roofbox. Roofbox, le dernier Robbie Williams. Très vite, un petit tour général, Perry. C'est pas ma tasse de thé, mais il est tellement mignon. Petite Pierre. Oh, moi, j'adore ça. Oh, le gros menteur. J'y connais rien, moi, alors. Sophie. À petite dose. Christine. Même pas pour ma sonnerie de téléphone. Oh, enfin, c'est génial, ça. Christophe. Ah ben, moi, j'adore. Pierce Faccini, est-ce que c'est comme ça qu'on prononce, cher Jean-Bernard Hébé? Je n'en sais rien, je n'avais jamais entendu parler de lui avant aujourd'hui. Moi, je dirais comme vous. Pierce Faccini. Vous avez écouté l'album, quand même. Tearing Sky. Eh oui, j'ai écouté l'album. Eh oui. Alors, c'est l'album idéal pour faire la bande originale d'un suicide collectif. C'est-à-dire que ça sert à la fois de musique d'encouragement, de somnifère préopératoire et d'oratorio. Quand vous écoutez, c'est impeccable. Ça va énormément plaire aux adolescents désespérés qui pensent que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue si on n'a pas un iPod. Vous voyez ce que je veux dire? If I, c'est l'extrait de la chanson qu'on regarde maintenant. Devil's gonna make you turn. Red, red, hot and burn. Devil's gonna make you turn. Never lose and never learn. Christine, moi j'ai pas d'iPod et j'adore et je t'emmerde. Oui mais vous êtes désespéré. Christophe Lévesque. Écoute ouais, moi je m'attendais à pire en entendant Jean-Bernard, non ça m'a l'air de swinguer. Sophie. Non c'est reposant, c'est bien.
Ah bon, c'est bien. Ah, c'est bien. Un peu de chansons françaises, ça fait jamais de mal. Voici Jeanne Chéral avec son nouvel album L'eau, Jean-Bernard. En fait, moi j'avais un préjugé favorable parce que je l'avais vu un soir aux Victoires de la musique et je l'avais trouvé plutôt bien. Mais en fait, il y a trop de mots, il n'y a pas assez de musique. Et l'album, le titre de l'album, c'est L'eau, et c'est exactement comme son titre, c'est-à-dire inodore, incolore et sans saveur. Voilà, c'est l'extrait du clip. Moi, j'aime bien Jeanne Chéral. Mais ça ne m'étonne pas. Ah, c'est bien Jeanne Chéral, franchement, regardez. C'est comme une habitude, un peu comme une manie. J'aime la solitude jusqu'à la tyrannie. Viens pas me déloger de ma carapace quand j'hiberne. Ou d'avance, désolé pour mes coups dans tes lanternes. Voilà, 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 voilà. Seulement dans ce qu'on est, on pouvait faire un choix. Seulement voilà, 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 voilà. Faut pas. Voilà, voilà, voilà. Moi j'aime bien ça. Vous aussi, Christine. Charal. J'aime bien Charal, ouais. Oui, c'est pas mal, Christophe ouais. À l'évêque. Charal. Oui, bah oui, c'est ça, non, non c'est ah Bigard. Non, Charal. Oui, mais non, l'eau, non, on n'est pas des plantes vertes, non. Ah, attends, Sophie non. Garel. Non, c'est le genre de voix au téléphone, ça te rend dingue. Pierre. Ah, c'est pas mal, je trouve. Ah. Perry Cochin. Oh, moi, je suis d'accord avec Pierre, c'est pas mal. Bon, alors, il faut en prendre un des trois, monsieur Mitchell. Ben, moi, je vais prendre le suicidaire, là, soi-disant. Ah, Pierce Faccini. Oui, s'il vous Pierce plaît. Pierce Faccini. Allez, Jambalaya, le Palais des Sports l'année prochaine, la tournée à travers la France. Merci, Eddie Mitchell. Restez encore deux minutes, le temps de jouer. C'est le jeu final de l'émission. Le qui a vu qui a vu quoi. Dans notre classement, Camille Lemoine a fait une envolée avec 23 000 points. Dans le fond du classement, c'est surtout Perry Cochin qu'il faut sauver. Voici la première photo. Regardez bien. De quoi s'agit-il ? C'est un diamant. Oui. C'est le plus gros diamant. Chaussure. Un diamant noir. Ça vaut. Attendez que je vous donne quand même le tarif. Ça vaut 1000 points. Ah non, ça coûte plus cher. Je crois qu'on a découvert qu'avec les cendres de quelqu'un, on pouvait faire un diamant. Et je crois que ce diamant, c'est un diamant qui a été fait avec des cendres. Excellente réponse de Pierre Bénichou. C'est un baillon, ça. Voilà, c'était la Toussaint cette semaine. Et effectivement, mettons-nous... C'est génial, cette histoire. Avec toi, on pourra faire deux diamants. La photo d'après, ne trichez pas. 3000 points. Ah, c'est quoi la question de pièce? Ah bah, de qui s'agit-il? C'est pas pour les nanas, ça, ces trucs-là. Ça ah, vous... c'est combien de points? Monte un peu, moi j'en ai pas. Allez, beaucoup. 5000. Non, 10 000. Ah non, 5000. J'aurais pu être ton beau-frère, putain. 5000, c'est Djorkaeff. Oui, pourquoi? Parce qu'il prend sa retraite. La retraite de Youri Djorkaeff, excellente réponse de Christophe Alévèque. Alors, la prochaine. Là, je vais vous dire. Allez. On peut pas dire que je fasse grand-chose. Non, mais là, monsieur Mitchell, vous allez voir, je mets en jeu 30 000 points. Oh, non. C'est n'importe quoi, ce jeu. Ah si, mais c'est mais comme ça. Mais ça dépend ce que c'est. 30 000 points si vous me dites qui sont ces deux dames. Elles ont été connues dans leur jeunesse? Non. Il leur est arrivé quelque chose? Non. Enfin, il est arrivé une catastrophe. Des navigateurs qui sont par la route du Rhum? Non. Ce sont les mamans... Est-ce que c'est la mère et la fille? Non, oui, puisque c'est la mère et la grand-mère de quelqu'un. D'un acteur, d'un... Reste assise, calme-toi. Ah non, pour 30 000 points. Non. Ce sont des Françaises? Non. Mère et grand-mère d'une star. D'une star vivante? Américaine? Non, pas Jean Gabin. Non, une star vivante? La mère et la grand-mère de Jean Gabin. Je veux pas vous déranger, mais ça m'étonnerait qu'on les voit en photo cette semaine dans le journal. Est-ce que c'est une star vivante? Ça, la dernière séance, ça vous joue des tours. Est-ce que c'est une star vivante? Une star vivante. Américaine? Américaine. Un homme? Américaine d'origine italienne, quand même. Mais c'est un homme? De Niro. De Niro, oui. Non. Pacino. Attends, Pacino. Al Pacino. D'origine. 30 000 points en jeu. Hein. Arrête. Oh, dis lui d'arrêter de gueuler, s'il te plaît. Un Américain. Ne souffle pas dans le public. Un Américain. De Vito. De Vito. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Elle lui ressemble en plus. Franchement, c'est vrai qu'on voit. Oui, la mère. Et oui, elle lui ressemble. C'est évident. La mère et la grand-mère de... C'est voilà. Vrai qu'il y a un air de famille. Tatini, qu'on l'appelle. Il faut pas lui donner 30 000 points aussi. Hein. Pardon?
Il ne faut pas lui donner les 30 000 points quand même. Pourquoi ? Parce qu'elle a dit, Ruquier, il est con et tout. C'est pas vrai. Elle a dit ça ? Ouais, ouais, ouais. 30 points pour son cigarette. Ça va pas, j'arrête pas de te faire de la pub. Sans moi, tu ne serais pas là où tu es. 30 000 points pour Sophie, ce qui est dit, ce qui est promis et donné. Eddie Mitchell, Jambalaya. Ça, je le sais. Pardon. Voilà. Et en plus, j'ai la signature pour mon beau-frère. Merci, monsieur Schmoll, comme on vous appelle parfois. Merci, Claude Moine. C'est bien d'avoir autant de noms à sa disposition au Palais des Sports au mois de mars prochain en tournée à travers la France. Pour l'instant, c'est l'album numéro 2 au top des ventes. Merci, monsieur. Merci. Merci à vous. Demain, samedi soir, Christine, vers 18h30. Et moi, je vous retrouve pour On n'est pas couché vers 23h15. Bye bye.